Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas avec nous. J'ai une dernière mission pour toi avant qu'on puisse en finir. Amita doit partir. C'est la volonté de Kira. C'est le seul moyen de sauver le Kirat d'un nouveau bain de sang. Elle ne vaut pas mieux que Pagan. Fais ce qu'il faut, mon frère. Parce que je fais cette émission dans un bunker secret et que tu pourras jamais me retrouver en soirée. Non, je pose cette croûte sur la table et je dis point. Tout le monde sait qu'on va te faire la peau et que tu vas te faire massacrer. Ça fait quoi de savoir que t'as un karma de merde et que la vengeance est proche? T'es sur le trône, mec, et on va te tirer la chasse. Putain, c'est bon ça, que tout, non, non, non. Ton heure a sonné, ça va plus traîner. Amita, elle fera tout pour te convaincre de la laisser partir. Surtout, ne crois pas un mot de ce qu'elle te dira. C'est une athée hérétique. Elle n'a aucun respect pour son propre héritage, sa propre histoire. C'est l'avenir du Kirat qui repose sur ta capacité à finaliser cette mission. Va jusqu'au bout. Et Jay, c'est ce que ton père aurait voulu. Prends-le fier. Il t'envoie pour me tuer? Je savais qu'on en viendrait là, mais toi? Qui d'autre fait ce qu'il y a à faire ici? Bien vu. Sa balle se cache derrière sa foi et ses traditions, et toi tu... Tu le suis aveuglément comme si t'étais son chien? J'ai vraiment cru quand tu disais que tu voulais simplement respecter les dernières volontés de ta mère. Fais-le, fils de Mohan, sauveur du Kirat. Obéis aux ordres, appuie et tire. Je suis sûre que c'est la volonté de Kira. Très noble, Jay. Tu m'épargnes peut-être, mais tu tues le Kirat. Je me suis occupé d'Amita. Ce n'est pas à moi de la juger, mon frère. Les dieux s'en chargeront. Tu as un dictateur à tuer, et une guerre à finir.